Alhamdulillah Rabbil Alameen, nous remercions Allah, nous implorons ce pardon et qui nous a donné cette chance de vivre aussi le jour d'Arafat de 2024. Avant de parler du jour d'Arafat, vous me permettrez d'abord de vous camper un peu sur les 10 premiers jours du mois de l'Hijja, qui parmi lesquels se trouve le jour de Arafat. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la grandeur de ces 10 jours. Quand il nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal fajr wal layalin ashir. Allah dit qu'il gît par l'aube et par les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous parler de la grande valeur et de l'importance de ces 10 jours, il nous a dit, aucun jour durant l'année tout entière lequel Dieu aime des bonnes œuvres de la part de son serviteur mieux que ces 10 jours de Dhul Hijja, le 12e jour du mois lunaire. Alors, c'est ainsi qu'il nous a incité de profiter tous les 10 jours-là pour avoir beaucoup de récompenses. Les recommandations ou bien les adorations préférables durant ces 10 premiers jours, il s'agit de faire beaucoup de la lecture du Saint-Coran, faire beaucoup d'invocations, donner beaucoup de sacrifices, faire des prières nocturnes et jeûner les 9 premiers jours. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi parlé de la grande récompense et la grande valeur du jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijja. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, selon Aïcha, épouse du prophète, mère de tous les croyants, elle nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas un jour où Dieu a franchi ses créateurs du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Donc, voilà ce qui peut nous montrer la grandeur de ce jour-là. En ce qui concerne les pèlerins qui sont là-bas, il a dit Al-Hajj Arafat, Al-Hajj Arafat, Al-Hajj Arafat. Il dit 3 fois que le pèlerinage, c'est Arafat. Donc, le jour d'Arafat est partagé entre tous les musulmans. Ceux qui sont à Arafat, ils sont en train de faire le pèlerinage, il les a demandé, il les a interdit de jeûner, mais pour, il leur a dit de manger et de boire pour avoir de force pour le stationnement de Arafat. Il les a invités de passer la journée à faire des invocations et à faire des prières. Quant à nous qui ne sommes pas là-bas, il nous a invités de jeûner. De jeûner, quand il nous dit dans un hadith, il dit le jeûne de Arafat, 9e jour, le prophète nous dit une absolution de 2 années, une année antérieure
et une année ultérieure est accordée à celui qui jeûne le jour d'Arafat. Donc, voilà ce qui nous montre la grandeur du jour d'Arafat. Hein? Parmi toutes les nuits, c'est la nuit du destin, les lettres 4, qui est plus grande. Mais parmi tous les jours aussi, c'est le jour d'Arafat qui est plus bénéfique et qui est plus valeureux que tous les jours de l'année. Donc voici la grande faveur que Dieu nous accorde le jour d'Arafat. C'est pourquoi, ici, on informe tous les musulmans de Guinée et d'ailleurs que le jour d'Arafat, c'est demain samedi, 15 juin, qui fait le jour d'Arafat. Les pèlerins sont à Amina aujourd'hui. Ils sont tous à Amina. Ils s'apprêtent pour regagner Arafat, pour faire le stationnement d'Arafat le 15 juin 2024. Donc, ainsi nous invitons tous les musulmans qui ont la possibilité de jeûner et de faire beaucoup d'invocations jusqu'au coucher du soleil. Demander des pardons, hein, demander toutes les faveurs d'Allah. Voilà ce qui nous est demandé, nous est recommandé dans notre chère religion, dans notre grande religion, l'islam. Les recommandations de l'islam à un musulman, le jour de la fête, s'il a les moyens, il doit se préparer, acheter un animal, soit un mouton, ou bien chèvre, soit le chèvre, soit le bœuf. Et ceux qui ont les moyens dans les pays arabes, soit un chameau. Donc chez nous, c'est les trois animaux. Hein? Mais le plus recommandé, c'est le mouton. Donc, le jour de la fête, le musulman doit se laver, porter le plus beau de ses habits, se parfumer, prendre la route maintenant pour le lieu retenu pour la grande fête, soit dans les mosquées, soit les lieux publics, les stades, les terrains, ainsi de suite. Il va en évoquant le nom d'Allah, en glorifiant Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kathira, Subhanallah, Bukratan wasila, Subhanallah, Walhamdulillahi, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Une fois arrivé au lieu de prière, il continuera ses invocations jusqu'à arriver de l'imam. Une fois l'imam est là, il va célébrer maintenant la grande prière composée de deux rakas à haute voix. Après, il va lire des sermons, prêcher les grandes valeurs de l'islam, inviter les musulmans à l'unité, à se comprendre et à éviter tout ce qui est considéré comme désobéissance à notre Seigneur. Après, il va clôturer avec des grandes bénédictions. Donc, il a demandé à tous les musulmans de s'asseoir religieusement, écouter ces deux sermons. Écouter les sermons et suivre aussi les bénédictions que l'imam va faire après ces deux sermons. De là-bas, le musulman doit encore revenir à la maison avec ses invocations, en clamant les noms glorieux d'Allah. Arrivé, il va manger avec sa famille, parce qu'il est déjà recommandé de préparer le repas de la fête. Ça, c'est une exigence de l'islam. La fête n'est pas comme les autres fêtes, comme les autres jours. Donc, il va faire ça. Après, maintenant, il va
faire des visites. Il rend des visites à ses voisins, hein, à ses connaissances, selon ses possibilités. Et recevoir aussi les autres qui vont venir lui rendre visite. Surtout, surtout les enfants. Ça, on insiste à ça. Il faut que les chefs de famille trouvent des beaux, trouvent des habits de fête pour les épouses, pour ses enfants. Pour ses enfants. Et trouver aussi des cadeaux pour les enfants. Hein, pour inculquer dans l'esprit des enfants que c'est ça notre fête. C'est pas les fêtes importées. C'est pas les fêtes chrétiennes qui est notre fête. Nous, les musulmans, notre fête, c'est le Ramadan et la fête de Tabaski. Donc, il faut faire ça. Voici ce que je peux ajouter. À la viande du mouton, il est recommandé de repartir en trois. Une partie pour la famille, une partie en cadeau, hein, et une autre partie comme sacrifice à des gens, à des voisins qui n'arrivent pas à avoir de viande. Hein, malgré que le mouton est petit, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Il ne faut jamais oublier les voisins qui n'ont pas le moyen d'avoir de la viande. Je profite de cette belle occasion pour vous inviter tous les fidèles musulmans à se renforcer, à renforcer l'unité, à rester crampé à notre religion, la chère religion, à rester crampé à ça et renforcer l'unité et la paix dans le pays. Hein? Une fois encore, je profite pour anticiper la félicitation de fête à tout le monde en leur disant « Osalmafo, Osalmafo, Osalmafo ». Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.